Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au Diplômé 2023. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis fière car vous avez fait un très beau parcours académique et que ces années compteront pour vous demain. Savourez ce moment particulier où toutes les portes vous sont ouvertes. On a besoin de talents pour prendre en main tous les projets que nous devons développer en France et dans le reste du monde pour faire face à ce tsunami qui est la lutte contre le dérèglement climatique et la baisse des gaz à effet de serre. Alors, n'ayez pas de doute, allez-y. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous le meilleur pour la suite. Près de 30% d'entre nous ont déjà choisi de travailler dans ce type d'entreprise qui contribue à la lutte contre le dérèglement climatique. Nous aspirons à un changement concret de notre école. Chaque enseignement doit remettre en cause les secteurs d'activité pour lesquels il nous prépare, en prenant en compte l'ensemble de ses impacts sociaux et environnementaux et en proposant des alternatives durables. Nous allons devoir ensemble construire un nouveau mode de consommation et de production pour stopper cette course à la croissance, pour oser le partage, le ralentissement et la sobriété heureuse. Croyons ensemble à la possibilité d'une alternative. Prenons toutes et tous nos responsabilités et construisons un monde auquel nous aspirons vraiment. Notre raison d'être depuis 2021, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs, cette raison d'être trouvera, je le souhaite, son prolongement dans votre avenir professionnel et votre engagement dans la société. Curiosité, engagement et intégrité. Nous sommes entrés dans une ère où la seule constante est le changement, où l'audace et la persévérance triomphent de l'immobilisme. Dans cet environnement en constante mutation, vous devez demeurer agile, ouvert aux idées novatrices et prêt à défier le statu quo. Les enjeux seront variés, complexes, nombreux et intéressants. En tant qu'ingénieur et expert de demain, vous êtes les capitaines de cette transformation. Vous contribuez à la valeur de ce diplôme, de son image et de son rayonnement. Bon vent à toutes et à tous et à bientôt. Vous rentrez dans la vie professionnelle. La plupart d'entre vous est déjà embauché par une entreprise. Quelques-uns ont choisi de poursuivre une thèse. Tout ce que vous avez appris, il vous appartient maintenant de le mettre en pratique. Tout ce que vous avez étudié, vous devez désormais le confronter à la réalité. Tout ce que vous savez, il vous faut surtout continuer à le développer. Nous vous avons formé pour que vous transformiez notre avenir. Je vous félicite pour votre réussite. Et je vous remercie aussi de nous avoir fait confiance. Voici venu le moment fatidique de la remise des diplômes. Pour le master sciences des données océaniques, nous appelons Aline à Reims. Carla Chevillard. À présent, les masters internationaux. Les Master Most, the most beautiful students. Nous avons désormais les masters en nucléaire et en énergie environnement PVPE ME3+. Pour le master PVPE PM3E. Le master spécialisé infrastructure du cloud et DevOps. Pour les pilotes des organisations. Alors les suivants seront les génies du nucléaire et de la santé. De l'optimisation et de la décision. Les suivants sont les concepteurs de matériel high-tech autour des guides de la transition énergétique et environnementale. Les suivants sont les capitaines de la mise en équation
Maintenant, pour les as de l'informatique. Les suivants sont les grands voyageurs. Donc, pour les ingénieurs spécialisés informatique, réseau et télécommunications, les FIP. La filière suivante, ce sera les ingénieurs spécialisés en ingénierie logicielle, les FIL. IMT Atlantique a le plaisir de vous présenter la première génération d'ingénieurs spécialisés transition digitale des systèmes industriels. Et nous allons terminer cette cérémonie avec la remise des doctorats.